Bon, je devais faire Triangle Sinistre, mais j'ai pas le temps, donc on va en faire une autre petite en attendant. Ça sera Les Secrets des Profondeurs, donc sur Montaigne Labyrinthique. Au cœur de l'exploration, nous avons trouvé un navire abandonné sur les berges de la rivière. Les archives nous ont appris que de vieux bateaux naviguaient ici et d'autres épaves pourraient se trouver sur le lit de la rivière. Nous aimerions filmer un documentaire, mais il nous faut d'autres épaves. Donc, 2900 de prépaiement, 19400 de paiement. Éclaireur, 2600 mètres à parcourir. Grille de toit, bah c'est ce que j'étais en train de regarder. Grille de toit pour Le Secret des Profondeurs sur Montaigne Labyrinthique. C'est pour le Hank MK38. Et bah comme quoi, ça sera on ne peut mieux. Comme ça, le prochain coup, je fais Triangle Sinistre pour ses pneus. Et enfin, je le débloque en exploration libre, qui sera débloqué par Triangle Sinistre. Donc c'est impec, ça va bien se goupiller. Alors éclaireur. Éclaireur, qu'est-ce qu'on peut faire avec un éclaireur? Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Qui a obtenu des améliorations ces derniers temps? Lui? Qu'est-ce que t'as obtenu? D'accord. Qu'est-ce que... D'accord. Moteur, ouais. Non, tu vas déjà trop vite, je vois pas l'intérêt de te mettre un moteur plus gros. Alors, faut que je retourne là-dedans, sinon j'ai pas les améliorations d'inscrites, ou alors fallait peut-être que j'appuie autre chose. Je vais quand même pas y aller en tatra. Ils m'ont dit en exploration, en scout. Sinon, on va ressortir la scout 800. Vas-y, je suis désolé, mais moi, je l'aime. Je l'aime, ma scout 800. J'y peux rien, ce que je te dise, moi. Quelle couleur on peut lui fournir Alors, je sais que j'ai des jantes rouges. Pourquoi pas. Pourquoi pas, c'est flashy. Hein. C'est un petit peu flashy, j'avoue, sur ce coup-là. Peut-être un peu trop, quand même. J'aime bien flashy, mais bon. Là, ça fait peut-être un peu beaucoup. On pourrait peut-être y aller comme ça. Celle-là, elle me paraît mieux. Il me paraît mieux de skin. Celui-là est pas mal non plus. Ouais. C'est de l'orange foncé. Et les jantes vaudraient peut-être mieux les bleus. Que les jambes de SnowRunner, non, j'en peux plus. Du orange avec du bleu, ça va mieux qu'avec du rouge, hein, je pense. Allez. Ouais. C'est un peu mieux. C'est pas fou, mais c'est un peu mieux, je trouve. Deuxième véhicule de secours, on va mettre ça. Toi, t'as toujours pas autre chose. Non, je t'ai rien débloqué du tout, toi, hein. Rien du tout. Ok. Et l'autre, il est en quoi? Ah, j'ai oublié de regarder l'autre fois. En quoi est-elle... quand tu veux. Hein. Le petit Kotko. Est-ce qu'il était en rock crawler ou pas? Il était en rock crawler alors qu'il était complètement carré comme ça. Wow. Et ben, il était très mauvais. Il était très très mauvais, je trouve. Toi le skin on va te le laisser. Ouais pourquoi pas. Allez. Bah on est parti. On est parti donc il me met où? Il me met là. Ah oui c'est vrai que Montagne Labyrinthique en fait bah j'ai pas tellement exploré. Puis j'ai qu'un seul point de téléporte. Donc bah on n'a pas le choix. Allez c'est parti comme ça au moins c'est vite dit hein. Ouais s'il est pas mal comme ça. Bon de toute façon ça change un petit peu hein, mais... Ouais, bon. Ah bah direct dans la scout 800, je croyais que tu me mettais dans l'autre, comme d'hab. T'entends quand même les grenouilles, la petite musique toute douce. C'est assez enivrant d'une certaine manière. Alors faut que j'aille là-haut, mais je sais même pas si ça va passer. Donc on va aller là-haut, ça c'est pas un largage, hein. Ouais c'est un guet ça. Bon bah on va tenter de passer là-haut je pense, je sais pas. Alors, par où? Par là. Même de nuit c'est stylé. Hein.
Alors pour Snow, on n'a pas regardé, mais apparemment il a des lumières super flashy, le Azov Atom, avec son module de maintenance. Oula, doucement. Ouais, au moins aller voir au pire. Oula, j'arrive même pas à tourner. Je crois que j'ai dû rouler sur une limace, je suis coincé. Donne-moi ça, je suis sûr que tu mets ça 2 jours. Donne-moi ça. 2 jours et... tout de suite, ça ressort. Voilà, la vue est pas exceptionnelle. La vue est pas exceptionnelle, mais le jeu est stylé. Alors, il faut que j'aille où? Maintenant que j'ai exploré un petit peu ça. Il faudrait que je descende et que je poursuive mon chemin. Là-bas, ça avait pas l'air top. Est-ce que je peux descendre? Il y a un petit chemin tout tracé. Bon, on va essayer, hein. Passe. Alors ensuite, oui, c'est un peu haut là les herbes, hein. Désolé, je vous attends pas, je mange. Alors bon app. Et bah bon app à toi. Prends des forces. Oh, j'avais même pas la WD, j'avais pas vu. J'étais complètement immergé dedans tout à l'heure en pleine nuit là. Et... alors là par contre, je suis un peu plus inquiet. C'est pas que je veux pas, hein, mais ça me paraît potentiellement un peu délicat à passer. Ça dépend, c'est pas hyper profond, on dirait. On va se la tenter, hein. J'ai un snorkel là-dessus? Ouais. C'est vrai que tout était débloqué sur lui. Alors. Déjà, on est là. Oula. Ça indique pas une réussite, cette histoire. Voyons voir. Alors, il me dit que c'est rouge, mais... ça a pas l'air spécialement mauvais. Alors, peut-être que la bande de terre, là, est nickel comme il me faut. Par contre, le véhicule ne tourne pas, je sais pas pourquoi. Ah, c'est le courant qui m'emporte, merde. Ah, c'est le courant qui veut pas me laisser aller en ligne droite. Hein. Eh ben, allez, on y va. Bon, alors là, je sais pas pourquoi tu veux pas avancer. En tout cas, on est sauf, donc ça va aller. Si je passe ça, ça devrait aller. Mais par contre, je commence à me faire emmener. Je vais treuiller parce que je comprends pas pourquoi il avance pas. Alors. Je comprends pas tellement ce qui lui gêne. Je sais bien qu'il y a un peu de courant, mais il n'était pas plus puissant ici qu'au milieu. Et là, visiblement, je pouvais carrément plus tourner. J'ai fait des petites missions en Kodiak et j'ai encore une remorque chiante à trimballer, mais pas envie. Alors, explorer la zone. Eh ben, explorer la zone, qu'est-ce que je te dis? Comme d'habitude, on connaît, hein.
Alors, à la jumelle déjà un petit coup. 36, 45, 72, non, 48. Je suis pourtant en plein milieu. Là, ils ont été moins généreux que celle de tout à l'heure. Je suis qu'à 50% alors que celle de tout à l'heure, je l'avais déjà à 80%. Ah, 100 mètres. Merde. Il flotte. Ouais, il devait flotter, je pense. Hein. Il devait lever un peu parce que je tournais plus. Ah, il va falloir que je me déplace parce que là, ça va pas. À moins que je revienne d'abord par là. On va déjà revenir un petit peu en arrière. Alors, je crois que c'est ce morceau de zone là qu'il faut que je fasse. Et ben. Ah bah oui, je peux pas évidemment regarder. Ah mais la vache, le compteur, il augmente pas, hein, pas tant que ça. Hein. Bon, ok. 66%. 69%, ok. Bon bah maintenant, on va falloir aller là-bas et puis on va limite le faire en voiture, ça devrait aller plus vite cette fois. Hein. Pour une fois, je pense que ça va aller un petit peu plus vite de faire tout le tour en voiture qu'avec ce drone de l'enfer. Aïe! J'avais pas vu ça. On va peut-être longer la plage, ça a l'air d'être plus praticable et je vais arrêter de me mettre un peu en défaut. 69% toujours? Vous foutez de moi ou quoi? C'est peut-être là le début de. Mais c'est incroyable, c'est que j'ai déjà déverrouillé ça et puis il m'a toujours pas rajouté. Ah, 80%! Ok, il rajoute des pourcentages en cours de route, c'est un délire. Oh, le jeu il est en PLS cosmique. Il a même pas calculé ce que t'as visité ou pas visité. Tu m'étonnes que des fois ça bug. Ah, il y a un navire là. C'est ça qui racontait doucement. Putain, je tourne et il veut pas y aller. Mais tourne bon sang. Je sais pas ce que j'ai foutu. Le réseau Atom avec son module maintenance, c'est un peu comme le dérive spécial et son module pompier. Je t'ai testé à venir ce matin. D'accord. Alors ça, c'est un pont à construire, de ce que j'ai l'impression. 89%. Allez. Voilà, c'est gagné. Bon. Faut que j'aille là-bas. J'ai de quoi construire un pont. Oui, j'ai de quoi construire un pont. Par contre, si je pouvais trouver un petit drop, ça pourrait être pas mal. Faire un petit peu de pognon, faire le plein d'essence, faire le plein de réparations. On va aller faire ça. Allez hop. Et les petits ponts. J'ai pas le courage de le tester au Michigan, désolé. Moi je voulais le tester à Amur, on m'avait dit, mais c'est vrai que j'ai pas été jusque là. Ah qu'il est con. Bah je vais un peu vite, ouais, mais je sais pas pourquoi. Des fois j'arrive pas à contrôler le véhicule, c'est comme Snow, hein. Les véhicules des fois ils. J'appuie à peine sur la gâchette, tu sens rien dans le doigt, dans le pied. C'est un peu chiant, quoi. Ah, il y a un largage. Alors, à ma gauche, un largage. À ma droite, la mission. Bon, on va aller chercher le largage, quoi. peut-être passer par-dessus cet amas de cailloux, là. C'est le reste de ton sono.
Il va très bien, mon Sono. Quoique hier, je me suis fait poutrer 2-3 fois. Avec le nain, on a fait... pas grand chose de difficile en fait, mais je me suis fait choper par un petit bateau de la peste là. Pendant que on était en train de combattre le Philippe Laroche là, je crois quoi. Et on s'est fait déglinguer comme ça, sans même le voir, alors que c'était même pas difficile. Par contre, hier, j'ai la fierté. Alors, je sais pas exactement à combien de pourcents. Le nain m'a aidé, mais je sais plus s'il m'a beaucoup aidé ou pas. J'ai pas trop eu le temps de m'en apercevoir. On a pété un des bateaux invincibles du convoi hollandais ou je sais pas quoi. On lui a défoncé la tronche et on a absolument rien gagné. C'est vraiment abusé. Il nous a rien donné du tout, même pas 10 balles, même pas un mars, rien. C'est abusé. Parce que ça c'est un pont, une amélioration. Et du coup, après, c'était trop tard. On n'a pas pu se taper les autres navires, donc... le nain, on a fait un, du coup on a quand même eu un navire, mais pour les autres, on n'a pas eu le temps de les faire, ils sont devenus immunisés dès qu'ils ont passé la zone. Voilà. Alors, un vérin, bon on va prendre ça, ça sert à rien, mais c'est pas grave. On va peut-être se réparer. Voilà. Oula. Non, j'aime pas ça. Je sais pas pourquoi ils tournent pas à des moments les scouts, c'est... Ouais, je sais pourquoi, c'est à cause des ficus, là. Toujours une valeur sûre, ce scout 800, pour moi. Ça a l'air toujours aussi bon. Dommage que le gameplay du jeu me retient autant. C'est normal, il n'y avait pas Monsieur H pour vous pour le convoi. Il n'y a pas de place pour les amateurs dans notre équipe. On n'avait pas besoin de pneus. On est en bateau, on n'a pas besoin de... On n'a pas besoin de gomme en dessous. Chez Bozo. Ah, tu m'as cherché, hein. Ah, tu m'as cherché. Il fallait... Oh la vache, sans déconner, pour ça? Tu prends des dégâts alors que t'as un angle d'attaque et tout? Non, sans déconner, c'est abusé. Par là. Mais tourne, bon sang! Ça fait 20 minutes que j'ai les pneus tournés, là. Sans déconner. C'est pas possible. Il y a des moments, les véhicules, ils tournent vraiment pas à cause de ces saloperies de petits ficus au sol, là. C'est incroyable. Des moments, t'es pas maître de ton véhicule, c'est énervant, quoi. Je vais même pas vite, je vais même pas quoi que ce soit. Je tourne et non, il se passe rien. Explorer la zone, 14%, ouais, donc on se rapproche de la zone à explorer. Je sais même pas si c'est juste une zone à explorer celle-là, mais ça a l'air. 22%, ouais, ça a l'air. Par contre, là au drone, ça va peut-être être chaud, j'aurais dû le faire avant. Ça va, ça augmente pas mal. Mais tu sais, signal faible, je veux bien, mais sachant que je me mettais à 90 degrés de mon véhicule, je regagne mes 81 mètres, non? C'est... Putain, il est très très mal géré, ce drone. Déjà qu'il a pas du tout d'autonomie, mais en plus, il est complètement buggé.
Bon, c'est tout, 48%. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Oh là là. Bon. Se rapprocher de là-bas. Ça a l'air un peu boueux dans la zone. Coupe le moteur, s'il te plaît. C'est toujours ça de prix. Alors, il y avait le bord de là que j'avais pas fait. De là à de là. ...64, 65. Bon, ça va augmenter dès que je vais quitter. Non, même pas, d'accord. Bon, bah, il faut que je... Ah oui, par contre, il y a beaucoup de trucs de l'autre côté de la baie. Hein. Ok. La roue touche pas à l'arrière, hein, elle est complètement dans le vide, mais c'est pas grave. En soi, c'est pas bien grave. 72%. Allez, vas-y, fais ton boulot. Trouve-moi les derniers pourcents, s'il te plaît. Ah, il y a un pont à construire là-bas qui m'emmène jusque là-haut, après, peut-être. Signal faible, évidemment. Sinon, c'est pas drôle. 82%. 87, ah là 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 là, sans déconner. C'est quoi ça, c'est un drop? C'est un drop, oh, avec un onyx dedans. Eh ben on va aller te chercher toi. On va aller te chercher, parce que je crois qu'elle est... Elle est déjà à 2000 balles elle toute seule, ou 4000, je sais plus. Je suis monté à 95, mais ouais, j'ai toute la zone là. Va falloir que j'aille réexplorer là-bas derrière. Non, vous êtes chiants là, les gars. Vous êtes vraiment chiants. Ah, puis il y en a un là-bas aussi. Ouh, deux trucs à prendre. Et là, deux aussi. Oh, ça va être trop chargé pour moi, ça. Oh, bah, je ramène pas un véhicule. Combien j'ai de place moi dans mon inventaire? Ah, oui, que 3. Ouh, va falloir faire des choix. Va falloir faire des choix, prendre ce qu'il y a de plus cher. Ah, j'aurais pu prendre une petite photo. C'était ça que j'étais venu faire ici en fait. Hein. Bon, sauf qu'il faut surtout pas que c'est que j'ai une roue en l'air, sinon ça fait dégueulasse. Si je veux une petite capture d'écran pour ma miniature. C'est pas dingo dingo, mais... On va dire que ça fera l'affaire. C'est juste pour la miniature. Tu me diras si ça va. Bah, je t'ai répondu HD, c'est pas du tout ça que je veux. C'est juste cette toute petite photo qui est au concessionnaire. Je suis désolé, je suis chiant, mais c'est juste ça que je veux. La petite photo du concessionnaire où s'il n'y a pas de prix, il n'y a rien. Tu la trouves dans les fichiers, c'est pas les screens. Les screens vendeurs et tout ça, ça je les ai. Je sais pas exactement où est-ce qu'on les trouve dans les fichiers, mais c'est juste ça. Quand tu vas voir les statistiques d'un véhicule pour trouver son poids et tout, je crois dans le même fichier texte, tu peux trouver où est-ce qu'elle est sa photo. Il te donne le lien de la photo concessionnaire, je sais plus comment ça s'appelle.
Il y a une ligne de code où ils te disent ce que c'est la photo, où il la prend. Allez, dégage. Hop, voilà, merci. Explorer le navire rouillé. Ah. Il y a un navire rouillé. Alors là-bas, il y a deux trucs à prendre, mais là-haut, c'est un peu mieux quand même. Hein. J'hésite à y aller. Je vais peut-être aller faire le navire rouillé. Du coup, en fait, je vais avoir une miniature qui est plus sympa. Ah, ça a l'air stylé. Oh, vas-y, ça a l'air classe. Oh, ça a l'air classe, cette histoire. Oh oui, vas-y, 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 vas-y. Oh, j'avais pas vu que c'était un vrai navire quand même. Je m'attendais à au reste de mon sono ou de la bicoque du Sambuk de Monsieur H. Un truc comme ça, mais pas un vrai bateau qui a l'air stylé. Vas-y, envoie, je veux voir ça, moi. Quel plaisir, ça roule bien, des fois. Faut pas y aller comme une brute, mais il y a des fois, ça roule bien, quoi. On a pneu, j'ai trop de contrats chiants à faire, mais je pense que je vais faire les rushs après. J'ai encore une 8 places foreuse et une 5 places rouleau en remorque spéciale en Alaska à livrer. Waouh! Ah, c'est moins joli que j'aurais voulu. C'est vraiment... La rouille, je trouve, elle est peut-être un peu claire. Ah, il y a une petite amélioration, mais je la prendrai pas. Je veux essayer de faire les améliorations. Alors, je vais vous dire ce que c'est au passage. Des fois que, comme ça, vous le savez. Mais je vais essayer de pas la prendre. Enfin, je vais pas la prendre. Comme ça, je... me limite. Alors, je vais... Ah d'accord, merde. Je me suis gouré de boutons, j'ai appuyé la gâchette. Ah si, ça va, c'est pas moche. Ça va, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Il a dû rester là pendant longtemps et ça vaut le coup de fouiller le fond de la rivière. Nous en trouvons peut-être d'autres. Ah ok. Il va nous mettre une mission, on va fouiller la rivière peut-être. Alors, je vais vous dire ce que c'est. Je vais aller chercher mon drop à côté. Balèze quand même, hein, le bateau. Balèze. Alors, l'amélioration, alors faut pas que je la prenne. Ça marche, Laurent, à plus. Navire rouillé plus une surprise. Ouais, bah, tu me l'avais peut-être caché. Alors, je suis où sur la carte? Je sais pas si je vais réussir à retrouver sans aller sur Snowrender, moi. C'est le campement quoi, ça? Parce que là, je sais plus dans quel sens on est. Campement Est, campement Nord. Donc ça, c'est le Nord. Nord, Est. Donc c'est plutôt tout au Sud-Est. Donc une amélioration au Sud-Est. Eh ben, il y en a qu'une, normalement c'est la réserve d'urgence grand pour le Hank, le KRS et le Step 310. Ça a l'air d'être ça visiblement, si je me trompe pas. Je vais vérifier quand même avec Snowrunner pour pas vous dire de conneries, le temps qu'il charge, je vais continuer mon petit tour là, trouver mon drop, aller peut-être chercher mon Onyx. Ah et du coup scanner le navire, couler avec un drone. Ah, j'ai pas fini. Ah, c'est pas fini. Merde. Ouais, mais moi, j'étais parti, moi. Il faut que j'aille tout là-bas. Ah ouais, tout là-bas, quand même. Ah ouais. Ah, quand même. Ah, j'aurais limite envie de repartir avec l'autre véhicule, là, moi. Ah, on va essayer de continuer avec le... Ouais, il faut que j'aille donc là-bas. Ouais, donc... aller chercher mon Onyx, là, ça fait loin, quand même. Hein. Oh, y a moyen de passer assez vite. Hein. Et pas hyper loin. Puis bon, oh, pour 2000 balles, vas-y, ça m'emmerde. Je suis déjà blindé de ressources, c'est pas la peine. Allez, vas-y. Je fais ma mission, en plus, faut que j'arrête dans 20 minutes. J'avais pas vu. J'avais pas vu. Donc non, en fait, il faut que je trace. Il faut que je trace. Il faut que j'arrête dans moins de 20 minutes. Ça va être tendu, j'avais pas vu l'heure. J'étais tellement perdu dans mon truc, tellement je m'amuse dans le jeu. Ah, il y a des rochers qui volent. Il y a des rochers qui volent. Bon, bah, voilà, faut que je perde mon temps à faire une photo en plus et puis faire un signalement sur les devs.
Super. Ah, j'espère que ça leur suffira. Ah bah bien sûr. L'autre, j'ai frotté un caillou, ça y est, j'ai explosé le moteur. Il est en sucre votre moteur. Allez, on va tracer un petit peu parce que mine de rien, je sais pas qu'est-ce qui reste à la mission, mais dans 20 minutes, j'arriverai jamais à finir, moi. Allez, on va remonter toute la rivière par là. Il va peut-être y avoir une QTE là, trouver 3 points. Ou placer 3 points pour afficher le bateau. Là, je sais pas quoi, on va voir. Ça devrait pas être très long, ça va aller. Bon, bien sûr! Bien sûr! C'est même pas des roseaux là, c'est encore plus fin que ça, sans déconner. Ah bah ça roule bien. Je m'attendais à ce que ce soit peut-être un peu juste, mais ça roule très bien. Ah, ouais, si ça passe au-dessus. Ça fait bizarre, il fait encore jour à cette heure-là. Oh, ils volent là les cailloux aussi, hein. Non, ça va encore. Ah, moi oh, si ça va, c'est des débrouillards. Le scout 800, il se démerde. Hein. Non. Ah, pas de treuil. Vous foutez de moi. Ben, ils sont à 3 mètres. Ils sont à 3 mètres, les arbres. Mais sans déconner. Vous foutez de moi, là. J'avais pas envie d'utiliser un truc pour leur vendre moins cher, là. Merde. Je me disais bien que ça allait passer, quand même. C'était pas si incroyable que ça. Pardon ? Je sais même pas comment ça a pu toucher le moteur, déjà. Alors, le blessé, fallait lui faire des dégâts. Non, merci. Ah, il y a des bidons encastrés dans le sol, là. Et mon véhicule va pas tarder de l'aide, je sens. Il y a des bidons un peu partout. Là, c'était une mission sympathique d'aller voir un bateau rouillé, tout ça. Alors, il y a des bidons partout, la vache. Ouh, doucement. C'était plutôt cool. Je sais pas, on va sûrement, à mon avis, faire une analyse sous l'eau, là. Pour retrouver... retrouver un autre bateau, un ou plusieurs, je ne sais pas. Alors, commencer l'analyse, ouais, c'est ça. Ouais. Oh bah alors, est-ce qu'il serait là? Oh, je suis pas sûr. Hein. Ah merde. Ça va, je suis resté dessus, nickel. Ouais, ils sont plus ou moins gros. Hein. Alors, et le navire est à gauche. Hein. D'accord, ici, ok. Ouais, si tu le dis. Ah, il est peut-être... ah, il est coupé en trois, on dirait. Hein. Bon, bah voilà. C'est incroyable, nous avons trouvé un autre bateau au fond de la rivière. Peut-être qu'il abrite un trésor. Je suis pas sûr. Et je suis pas amphibie. Grille de toit, donc j'avais dit, je sais même plus pour quel véhicule c'était. J'avais dit que je vérifiais... montagne labyrinthique pour vous dire, pour pas vous dire de conneries. Donc c'était les secrets des profondeurs. Secrets des profondeurs, c'est la grille de toit pour le Hank MK38. Et pour l'amélioration, on va vérifier ça. Donc je me suis fait combien? 3850. Ok.
Alors, l'amélioration, c'est celle qui se trouvait sur la petite île là, au niveau du bateau. Et c'était. Ah, c'était le moteur pour le Tatra Force et le Hank MK38, l'A12V 850 TTA en fait. C'était pas du tout ça. Alors, va falloir que je vérifie ce que j'ai fait, si j'ai pas fait des conneries encore. Ça, c'est pas impossible avec tout le bordel qu'il fallait noter et tout. Pourquoi est-ce qu'au sud c'est ça? Qu'est-ce que j'ai foutu moi? Qu'est-ce que j'ai foutu? Sud-est. Réserve d'urgence grand. Au sud, j'ai bien mis que c'était le moteur. Par contre, au sud-est. Ah oui, d'accord. Ah ouais, on est prêt. Ouais, d'accord, ok. Non, c'est. Non, non, c'est bon. C'est bon. Donc, vous avez ici. Alors, le sud, il est là. Elle est comme ça, la carte. Le sud, c'est ici, à peu de choses près. Hein. La carte, elle est vachement grande au-dessus. Le sud, vous avez bien le moteur ici. Et alors, l'autre amélioration, la réserve grande, elle est tout là-bas. Donc, c'est bien sud-est. L'autre, c'est limite centre-sud-ouest. Hein, vraiment ici, le centre serait plutôt ici, quoi. Donc on est à la limite du centre, quoi. Bon, bah voilà, c'est impeccable. On a fini mission de puce. Pile à temps, pile à l'heure. Avec un petit scout 800 que j'ai encore kiffé utiliser. Malgré beaucoup de dégâts qu'on a pris dans les dents. Mais voilà. Hop! Bon, 26 points de dégâts, c'est pas énorme, hein. Salut Captain Coder. Bien le scout 800, très très bien. Tu as vu la chaîne Univers Simu qui pense que l'expédition ne contient aucun bug? Ah ouais? Bah écoute, après il est sur PC, mais bon. Il est sur PC, mais bon, j'irai pas m'amuser à le critiquer, je sais pas. J'ai pas vu sa vidéo, j'ai vu qu'il y avait joué l'autre fois, mais j'ai pas cherché plus que ça. Merci Rudy. Mais ouais, aucun bug, non, c'est. Non. Non, on en est très loin, je pense. Hein. Je pense que j'en ai assez expliqué. J'en ai fait une liste de 20 bugs dans ma 30 points positifs déjà. Il y en a encore plein d'autres. Hein. L'argent a détruit une partie du monde des jeux vidéo, c'est clair. Après, c'est pas que l'argent. Hein. En soi, je vous l'ai déjà dit, hein, c'est pas une question de gagner de l'argent quand tu dis du bien d'un jeu. C'est de gagner des faveurs de la part d'un développeur qui va te fournir des jeux, des DLC, des trucs gratuits pour que tu puisses refaire du contenu et essayer de faire des vues, te faire connaître, etc. et refaire encore du contenu, des vues, machin. C'est un engrenage, quoi. Moi, je préfère ne pas faire de vues que de ne pas donner mon avis concret. Peut-être que lui, il le fait, hein, j'en sais rien. Hein, je me permettrai pas de le critiquer. Il était sur Discord, fut un temps. Mais je sais pas. Après, s'il dit qu'il n'y a aucun bug, c'est clair que c'est du foutage de gueule. Mais bon, il est sur PC. Sur PC, c'est généralement un peu moins pourri de bugs. Donc ça dépend quand même. Mais voilà, garage. On peut toujours pas regarder les véhicules, hein, on est d'accord. Concessionnaire. Alors, on n'a toujours pas la possibilité. Hein. Bon, bah bientôt, plus qu'un véhicule à débloquer. Hein. On va aller chercher le Hank demain, je pense. On fera Triangle Sinistre, on ira chercher le Hank. Et puis après, il restera le Yar à Volcan Endormi. Bon, quand on l'aura débloqué, il y aura un petit peu de boulot. Hein. Ça sera potentiellement pour la semaine prochaine, on verra. En tout cas, c'est bizarre, c'est qu'il le montre avec ses pneus Hanco alors que je les ai débloqués. Donc c'est un petit peu chelou. Je sais pas du coup avec quoi il vient. S'il vient avec des pneus autoroute. J'en sais rien, c'est un peu chelou. Mais il y a le Loadstar que j'ai toujours pas acheté du coup. Le Loadstar, vu que j'ai celui-là qui est assez moche, j'ai envie de dire. Enfin, peut-être que je l'achète, mais 40 000 balles. J'ai chier, hein. J'ai chier quand même. Bon, bah allez, on coupe la vidéo YouTube là-dessus.